marvelous perfection beats. Come on, get shaking your scraps, join better with the morphosis taste. Oh, Marlon body, camp into this girl, I chew my shaggy tits. Some of my biggest ones, juicy, Pendant 2 ans et demi, 3 ans, on a fait que des reprises de morceaux hip-hop, R&B à caractère misogyne qu'on aimait bien. Qu'on aimait bien pour la musique et qu'on aimait pas pour le texte. Et du coup, les retravailler à notre sauce et essayer de faire passer par la dérision, enfin, et par l'autodérision un peu, de remettre ces textes en avant sur lesquels on danse. Sans se rendre compte du contenu, quoi. Ouais. Et puis, on a sorti notre premier EP en mars dernier, en mars 2018. Notre volonté avec ce projet, c'est de mélanger plein de styles de musique différents. Nous, on a toutes les deux fait du classique, on s'est rencontrés au conservatoire de jazz, donc il y a déjà ces influences-là dans la musique. Puis le côté R&B hip-hop des reprises, ouais. Et puis de la musique, un peu de musique électronique. Et... Donc on prenait les covers pour leurs textes misogynes, et donc on a fait un lien avec notre premier EP. D'ailleurs, notre premier morceau, Count Our Fingers Twice, ça parle de ça, parle juste donc, de deux petits avatars qui coursent un homme. Et donc dans ce clip-là, on a mis l'homme dans la position d'objet, comme les rappeurs font. On garde ce côté féminisme, mais on fait attention parce qu'on sait que c'est un sujet sur lequel il y a parfois des débordements. On est pour l'égalité homme-femme, et donc c'est ça qui est compliqué avec l'humour et le second degré, parce que évidemment tout le monde ne perçoit pas le second degré de la même manière, c'est quelque chose de complètement subjectif. Donc on essaye par l'humour de faire comprendre qu'on est pour l'égalité, mais c'est pas toujours facile à faire. Il faut agir comme on voudrait que ce soit, c'est-à-dire avoir tous la même place et avoir tous la même place, et qu'en fait ne pas souligner une différence. Voilà, on parle pas que de ça, on parle aussi de politique. On a écrit un morceau contre Théo Franken. Ça aussi, on a envie d'en parler aux enfants, parler de migration, ben voilà, de parler de messages importants. Oui, c'est important pour nous de prendre des sujets concrets et réels et d'aujourd'hui. Parce que si, en tant qu'artiste, avoir la chance d'être écouté, d'être regardé, que ça passe par les visuels ou par le texte, enfin, tout le toutes sortes de contenus qu'on peut proposer, il doit être ancré dans une forme d'engagement. Brain with boring long-term plans. Me, I'd rather make a call to magical powder man.